Ensuite, on va brancher l'électronique. Alors, comme d'habitude, on ne branche jamais sur une batterie. On branche sur une alimentation stabilisée. Ensuite, la caméra qui va là. PS, il ira dans cette petite boîte que j'ai surélevée. Comme ça, je peux passer le fil de cerveau en dessous. En mettant juste un petit peu de colle là, ça me permet, si je veux les sortir, je mets un petit coup de cutter comme ça. Puis je coupe la colle et je peux les sortir facilement. Juste avec un petit peu de scotch. Et enfin, pour finir de protéger les ailes, parce que j'ai mis deux couches de peinture plus une couche de vernis, mais c'est pas suffisant parce que l'acrylique ça tient pas très bien sur ces polystyrènes. Je vais passer au scotch de 50 mm cristal tout le dessous au moins, peut-être pas le dessus pour l'instant, et puis je verrai si je fais aussi le dessous du fuselage, c'est pas impossible. Donc là c'est pas super évident parce que la peinture tient pas beaucoup. Là, le principe c'est de mettre des morceaux trop longs. Voilà, puis à la fin on a une surface qui résiste bien mieux aux rayures. Les deux capots ils font 30. Et l'avion complet avec son hélice et clé d'aile, sans la batterie. On a 572 sans batterie. Voilà, donc là il est bien centré avec un 1300 à fond en butée là. 2200 qui fait 220 grammes au lieu de 155. Il devrait se caler peut-être par là. Problème dans le moteur. Bon, alors après avoir bien cherché ce qui est opaque avec ce moteur, a priori je pense que l'axe a été serré trop fort derrière. Maintenant ça marcherait là, il tourne. Par contre, je ne vais pas faire les premiers vols avec ce moteur parce que j'en ai pas en entière confiance. Donc ce que je vais faire, j'ai un moteur moins puissant à 2206. Après, on va mettre INAV. Alors je ne vais pas tout détailler, c'est toujours un petit peu pareil. Problème de synchro avec cet ESC visiblement, parce que le moteur il est tout neuf, donc ce que je vais faire, je vais changer. Je vais mettre un ESC plus petit, mais dont je suis sûr qu'il marche.
Pour les premiers vols, je vais mettre une grande hélice, une 6-4, avec assez de pot de pas, donc un pitch de 4 pouces. Comme ça, je suis sûr d'avoir brassé suffisamment d'air. La vitesse de pointe ne sera pas fantastique.